14 fois 15, 11e plus 3, 7e moins 8, 22e est égal à une de ces cinq réponses. Dans ce calcul, nous pouvons simplifier la troisième fraction en 4 onzièmes. Ainsi, la première et la troisième fraction ont le même dénominateur et leur différence donne alors 15 moins 4 onzièmes, c'est-à-dire 11 onzièmes. Et 11 onzièmes, c'est la même chose que 7 septièmes. Ainsi, pour ces deux fractions, nous avons le même dénominateur et leur somme donne donc 7 plus 3 septièmes, donc 10 septièmes. Ce 7 se simplifie avec ce 14, ainsi nous obtenons 2 fois 10, ce qui donne 20. Et par conséquent, le C est la bonne réponse.